Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans cette vidéo, on va faire des travaux pratiques sur la configuration des routeurs Cisco en frame relais. Je suppose que vous avez déjà vu la vidéo précédente qui parle du principe du fonctionnement du frame relais. Alors on considère le diagramme suivant. On a ici un commutateur frame relais et trois sites interconnectés. Donc de chaque site, on a une seule connexion vers le commutateur frame relais. Bon, je considère que R1 est dans le site central, R2 et R3 sont dans les deux sites distants, et donc j'ai deux PVC. Chaque PVC relie le site central au site distant. Donc ici j'ai le DLCI 16, ici 16, et puis ici 17, et au niveau R3 16. Donc on vous demande d'utiliser GNS3 pci réaliser le diagramme ci-dessus. D'accord, alors GNS3, on va commencer par le commutateur frame relais. Donc GNS3 peut simuler un commutateur frame relais. Donc on a besoin de configurer trois interfaces. D'accord, n'est-ce pas? Trois interfaces sur le commutateur frame relais, trois ports. D'accord. Sur le premier port, donc on a deux PVC, 16 et 17. Si je reçois du trafic sur le PVC 16, donc il va sortir sur le port 2 avec DLCI 16. Et si je reçois un trafic sur le DLCI 17, donc il va sortir sur le port 3 avec DLCI 16. N'est-ce pas? D'accord. Donc le port 1 avec DLCI 16, donc je sors sur le port 2 avec DLCI 16 pour aller au routeur R2. Maintenant toujours sur le port 1, DLCI 17, donc je dois sortir sur le port 3 avec DLCI 16. D'accord, appliquer, ok. Donc je dois insérer trois routeurs, trois switches. R1, routeur du site central. R2, R3, des switches Ethernet pour les réseaux locaux. D'accord. Et maintenant, les connexions série entre le commutateur frame relais, le port 1 vers le routeur R1. Le port 2 sur le routeur R2 et le port 3 sur le routeur R3. Des connexions Ethernet entre chaque routeur et le switch. D'accord. Voilà. Donc je vais démarrer mes routeurs. Et j'aurai besoin d'accéder à la console. Routeur R1, routeur R2 et routeur R3. D'accord. Alors, on a fini avec la première question. Maintenant, on va configurer l'encapsulation en frame relais selon le LMI ANSI sous les interfaces série. Donc, au niveau de chaque routeur, on va dire que l'encapsulation, c'est pas le PPP, mais c'est le frame relais. D'accord, et que le type de la signalisation est ANSI. Donc les commandes sont très simples. Il faut aller au niveau de l'interface série et taper encapsulation frame relais, puis frame relais LMI type ANSI. On va commencer par le premier routeur, le site central. Donc conf T, je dois aller au mode privilégié, puis taper conf T, interface serial 1 sur 0, c'est l'interface qui est connectée au commutateur frame relais, encapsulation frame relais, et puis frame relais LMI type,
Alors, si vous voulez, on peut voir le type de commutateur frame-relay, de signalisation frame-relay. J'ai Cisco, ANSI et puis Q933A. Donc là, on va choisir ANSI. Je vais activer l'interface. No shutdown. D'accord. Alors, je vois que l'interface série 1 sur 0 est maintenant up. Physiquement up. D'accord. Alors, je vais faire la même chose au niveau routeur R2. Donc, même chose au niveau routeur R2. Enable, confT, interface serial 1 sur 0. L'encapsulation, c'est du frame relais. Et puis, frame relais, LMI, type, ANSI, no shutdown. Pour activer l'interface, on va aussi au niveau du routeur R3, on va faire la même chose. Enable confT pour entrer dans le mode de configuration. Interface série 1 sur 0. J'utilise l'encapsulation frame relais. Le type de la signalisation frame relais LMI. Type ANSI et no shutdown. D'accord. Je pense qu'on a fini avec la deuxième question. Encapsulation, LMI et activer les interfaces. D'accord. Interpréter show frame relais PVC et show interface serial 1 sur 0. Donc au niveau du routeur R1 par exemple, on va faire show frame relais PVC. On va voir les PVC qu'on a sur l'interface série S1 sur 0. Donc je trouve que on a deux PVC qui sont actifs mais qui ne sont pas encore utilisés. Alors je vous rappelle que le routeur a pris connaissance de ces deux PVC à partir des messages LMI. D'accord ? Donc on a vu dans le cours que le commutateur frame relais envoie la liste des PVC configurés sur le port frame relais. Donc il s'agit du DLCI16, mais il n'y a pas de trafic qui est échangé encore sur ce PVC et aussi le PVC 17, DLCI 17. Il est actif mais pas encore utilisé. Au niveau du routeur R2 par exemple, on va trouver un seul PVC, n'est-ce pas? Show frame relais PVC. Donc là, on a un seul qui a le DLCI16. Même chose au niveau du routeur R3. PVC, un seul. PVC actif, DLCI16. D'accord. Maintenant, quand on va faire show interface serial 1 sur 0 pour vérifier que l'interface est bien up, ben, physiquement elle est up, le protocole frame relais fonctionne très bien, d'accord. Alors, on voit bien que l'encapsulation c'est du frame relais, on voit les messages LMI échangés entre le routeur et le commutateur frame relais, d'accord. Voilà le type de LMI, c'est le ANSI qui utilise le DLCI0. D'accord, même chose bien sûr au niveau des autres routeurs. Show interface serial 1 sur 0, interface est bien up. J'utilise encapsulation en frame relais selon le LMI ANSI qui utilise le DLCI0. Alors, DLCI0 c'est pour envoyer les messages de signalisation. Pas pour envoyer les données. Les données sont envoyées sur le PVC, sur le DLCI16. Au niveau du routeur R2, j'ai 19 messages LMI échangés. D'accord. On continue. Configurer les adresses IP sur les interfaces séries. Utiliser la plage d'adresse 192.168.0.0. Donc on va choisir .0.1 sur R1, .0.2 sur R2. Et .0.3 sur R3. Je vous rappelle que
toutes les adresses IP des interfaces. Les interfaces séries doivent être dans le même réseau IP pour qu'ils puissent communiquer ensemble. D'accord, alors on va commencer par le routeur R1, confT, interface serial 100, IP adresse, donc c'est du classique, chose qu'on a fait pas mal de fois, 192.168.0.1, classe C, voilà c'est fait. Maintenant on va aller au niveau du routeur R2. On entre dans le mode de configuration globale, on entre sous l'interface, puisque cette adresse IP appartient à cette interface. IP adresse 192.168.0.2, 255, 255, 255, 0. Et pour le routeur R3, même chose, confT, interface Siri 1.0, IP adresse 192.168.0.2. 3 255 255 255 0. Voilà, donc c'est très simple. J'ai configuré le protocole frame relay, j'ai précisé le type du trafic du LMI en SI, et maintenant j'ai adressé les interfaces Siri. D'accord, on va continuer. Interpréter show frame relay map. Alors c'est quoi ce show frame relay map? Donc au niveau du routeur R1, je vous rappelle ce qu'on a vu dans le cours. On a dit que lorsque j'attribue des adresses IP aux interfaces séries, chaque routeur va essayer de détecter l'adresse IP du routeur qui est en face, et ceci en utilisant les messages de type inverse ARP. D'accord, donc il va, le routeur R1 va essayer de trouver l'adresse IP série des deux routeurs R2 et R3. Donc si je fais show frame relay map, donc là je découvre comment routeur connaît les adresses IP des interfaces Siri des deux routeurs qui sont en face. Donc sur le PVC qui a le DLCI 16, il connaît que le routeur en face a l'adresse IP 0.2. L'adresse IP est obtenue dynamiquement à travers le inverse ARP, d'accord, il est actif, le PVC. Même chose sur le DLCI 17, je connais que le routeur en face a l'adresse IP 0.3. Et on a expliqué comment se fait cette découverte, comment se fait donc cette découverte à travers le message inverse ARP. Donc on peut aussi vérifier de l'autre côté. On va par exemple au niveau routeur R3, normalement show frame relay map. Donc, il doit connaître seulement l'adresse IP du routeur R1. Pourquoi? Parce que R3 a un PVC seulement avec le site central. Il n'a pas un PVC avec R2, n'est-ce pas? Donc, il connaît seulement l'adresse IP du routeur qui est en face, c'est-à-dire 192.168.0.1 sur le DLCI 16. OK. Tester les communications WAN. Donc, maintenant, on veut être sûr que le commutateur frame relay fonctionne très bien, que la connexion WAN fonctionne très bien. Donc je vais essayer de faire ping sur les routeurs qui sont en face, bien sûr sur le WAN. Mon WAN c'est .1, je vais essayer de pinguer le .2. Oui, ça marche 5 sur 5. Le .3 s'il vous plaît. Oui, ça marche très bien. Donc là, je suis sûr que les communications entre les routeurs de WAN à WAN, ça fonctionne très bien. Configurer les adresses IP des interfaces LAN des routeurs. Alors maintenant, sur chaque routeur, le routeur a deux interfaces, une interface Siri connectée sur le commutateur frame relay et une interface LAN connectée sur le switch Internet. Donc maintenant, je vais configurer les adresses IP LAN. Donc je vais utiliser 192.168.1 pour le routeur R1, .2 pour le routeur R2 et .3 pour le site du routeur R3. D'accord, donc c'est très simple. Il suffit d'aller au niveau de chaque interface Ethernet, confT, interface F000, IP adresse 192.168.1.254, la dernière adresse IP. Et bien sûr, j'active l'interface. Now shutdown,
je vais faire la même chose au niveau du routeur R2. Donc interface fastEthernet 0.0.0, IP adresse. Mm-hmm. 192.168.2.255.255.255.255.0, no shutdown. Et puis la même chose sur le routeur R3, il est où? Donc conft interface F0.0.0. IP adresse 192.168.3.254.255.255.255.255.0 et no shut. D'accord, maintenant j'ai configuré les adresses IP sur les interfaces Ethernet. Ajouter une machine, donc je vais utiliser Virtual PC Simulator sur chaque switch et je vais tester par ping les communications de PC à PC. Alors, donc sur GeneStarWA, là je vais ajouter des machines sur les réseaux locaux. D'accord. Alors voici la première machine, une deuxième et une troisième. Donc je vais utiliser Virtual PC Simulator. Donc je dois m'assurer dans le fichier startup.vpc que les adresses IP sont bien configurées. Donc la première machine à l'adresse IP 192.168.1.1, elle appartient bien au réseau, le réseau 1. L'adresse IP de la passerelle, celle du routeur R1, même chose pour la deuxième machine et pour la troisième machine, c'est bon. Donc ça c'est l'adresse de la gateway de la passerelle et ça c'est l'adresse IP de la machine. 24, c'est le nombre de bits du masque. Donc je peux démarrer VPC. D'accord, je me place sur la première machine et je vais au niveau GeneStarWA pour configurer. Bien sûr, j'explique pas puisque toutes ces choses ont été expliquées dans la vidéo qui s'appelle GeneStarWA. Alors je fais la même chose au niveau de la machine C2, 3001, 2001, ajouter, et au niveau de la machine 3, donc 2, ajouter, appliquer, OK. Maintenant je vais connecter ces PC au switch. Je connecte chaque machine sur son réseau local. Voilà. D'accord, c'était quoi la question déjà? Alors, on a ajouté les machines et puis testé par ping les communications de PC à PC. Est-ce que la machine, par exemple, numéro 1, qui a l'adresse IP 192.168.1.1, est-ce qu'elle peut faire ping sur la deuxième machine du réseau 2? Donc je vais essayer de faire ça. Ping 192.168.2.1. Timeout. Ça marche pas. Pourquoi? Alors interpréter. Bah nous, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a configuré une adresse IP sur le LAN, sur le WAN. On est sûr que le frame relay fonctionne très bien puisqu'on peut faire ping de WAN à WAN. Mais là, on n'est pas capable de faire ping de LAN à LAN. Pourquoi? Parce qu'au niveau du routeur R1, le routeur R1, dans la table de routage, il connaît le réseau .1 qui est sur le LAN, il connaît le réseau .0 qui est sur le WAN, mais il ne connaît pas le réseau .2 ni le réseau .3. On peut vérifier ça par show IP route. Donc, show IP route. Et là, on voit que le routeur connaît seulement deux routes. Une route du réseau 0 sur le WAN, serial 1 sur 0, et l'autre qui est sur le LAN. Et là, on demande au routeur R1 de router un paquet vers le réseau .2, chose qu'il ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter les routes statiques.
D'accord, chose qu'on a expliqué dans le cours du routage. Donc vérifier avec show IP route, on a vérifié que le routeur R1 ne connaît pas les réseaux 2 et 3. Et même chose aussi, le routeur R2 il ne connaît pas le réseau 1 et R3 aussi il ne connaît pas le réseau R du routeur R1. Donc c'est pourquoi on doit ajouter les routes statiques. Donc il nous demande d'ajouter les routes statiques nécessaires pour les communications entre tous les VLAN. Et puis on va vérifier encore une fois. D'accord, on va commencer par le routeur R1. Donc là, je dois ajouter deux routes statiques. Conf-t, la première IP route 192.168.2.0 255.255.255.0. Donc pour cela, je dois passer par le WAN 192.168.0.2, n'est-ce pas? C'est le WAN du routeur R2. Et pour aller au réseau 3, donc je dois passer par le WAN du routeur R3. C'est ainsi qu'on écrit la route statique. Pour aller au LAN distant, on passe par le WAN distant. D'accord, on doit faire la même chose au niveau des routeurs, des sites distants. Donc la route statique s'écrit au niveau de la configuration globale, IP route. Là, si je veux communiquer seulement avec le site central, donc je dois ajouter une seule route vers 192.168.1. Mais si je veux communiquer avec R1 et avec R3, donc là, je dois ajouter deux routes qui... Alors, là, si R2 veut communiquer avec R1 et avec R3, il n'a pas un PVC direct avec R3. Donc pour communiquer avec R3, il doit aussi faire passer le paquet vers R1 et puis c'est R1 qui va acheminer le paquet vers R3. Donc dans les deux cas, il doit passer par R1, n'est-ce pas? C'est pourquoi il suffit d'ajouter une route par défaut qui envoie les paquets vers R1. C'est-à-dire au niveau R2, on va écrire IP route 0.0.0.0, c'est-à-dire n'importe quelle adresse IP que vous ne connaissez pas. Donc vous envoyez le paquet vers R1. Si c'est un paquet qui va vers le réseau local, donc c'est bon. Si c'est un paquet qui va vers le routeur R3, donc c'est R1 qui va acheminer, qui va router le paquet vers R3. Ainsi, ça nous évite d'écrire deux routes statiques. Donc là, on peut écrire IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0. On passe par le WAN distant du routeur R1. Que ce soit pour aller à R1 ou bien à R3, même chose au niveau R3. Exit IP route 192.168.0.0, on va faire 0.0.0.0.0.0.0.0. Et donc là, on va passer par 192.168.0.1 qui est le WAN du routeur R1. Donc là, je peux vérifier avec show IP route. Donc, je suis au niveau du routeur R3. J'ai deux routes connectées, le LAN et le WAN, et puis une route statique, d'accord, qui est la route par défaut qui envoie vers R1. Je peux aussi vérifier au niveau du routeur R1 avec la commande show IP route. Je dois avoir deux routes statiques et deux routes connectées, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, on va essayer de faire le ping de nouveau. Là, je suis sur la machine 1. Donc, je ping vers la machine 2. Et voilà, ça marche avec la machine du réseau 2. Je vais essayer avec la machine du réseau 3. Et ça marche très bien. Voilà, donc là, j'ai la communication entre toutes les machines. Je peux aller au niveau de la machine 2 pour vérifier et puis faire ping sur la machine du réseau 3 aussi. Voilà, je sais pas si on peut faire trace route. Est-ce qu'on peut faire trace? Oui, trace RT, trace RT 192.168.3.1 pour voir
comment le paquet est acheminé pour aller à la machine du réseau Toroa. Donc là, on passe par notre passerelle, qui est la passerelle du réseau 2. Donc ça, c'est l'interface LAN du routeur R2. Et puis, on va passer par le routeur R1. Ça, c'est l'adresse IP de l'interface Siri du routeur R1. Donc pour aller au réseau 3, on doit forcément passer par le réseau 1 parce qu'on n'a pas un PVC direct avec le réseau 3. Et puis le routeur R1 va router le paquet vers R3. Donc ça c'est l'adresse IP de l'interface Siri, interface One du routeur R3 pour arriver en fin de compte à la machine du réseau R3. D'accord. Alors, on continue avec la dixième question. Et là, on va faire quelques travaux pratiques sur l'inverse ARP. Alors, je vous rappelle que quand on configure une adresse IP sur l'interface Siri du routeur, alors si le routeur supporte la fonction inverse ARP, comme le routeur Cisco, donc il va essayer de détecter l'adresse IP de l'interface Siri du routeur qui est en face, sur chaque PVC, bien sûr, sur chaque DLC. Alors là, ce qu'on va faire, il nous demande de désactiver l'inverse ARP. Donc on va faire comme si notre routeur ne supporte pas la fonction inverse ARP. Par exemple, il s'agit de l'ancien routeur. D'accord? Et la commande pour faire ça, c'est no frame relay inverse ARP. Donc sur chaque routeur, on va désactiver la fonction inverse ARP. On va faire comme si on avait un ancien routeur. Donc conft interface serial 100 no frame relay inverse ARP. Même chose sur le routeur R2, interface serial 100 no frame relay inverse ARP. D'accord, on va aussi au niveau du routeur R3, conft interface serial 100 no frame relay inverse ARP. D'accord. Mais là, si vous allez faire show frame relay map, on va toujours trouver que le routeur connaît les adresses IP des routeurs en face parce que ces données sont stockées dans la mémoire, donc dans la RAM, dans la mémoire cache. C'est pourquoi il faut nettoyer toutes ces informations, d'accord, pour faire comme si vraiment notre routeur n'en connaît rien du tout sur cette correspondance entre adresse IP et DC. Je vous rappelle que le routeur a besoin de ces informations pour qu'il puisse envoyer les données IP sur le bon PVC. D'accord? Bien sûr, la route statique, elle dit pour aller au LAN distant, il faut passer par le LAN distant. Maintenant, le routeur a besoin de savoir le LAN distant, il se trouve sur quel DLC. Donc, il utilise cette table de correspondance pour trouver la bonne DLC. Alors, pour nettoyer tout ça et faire comme si notre routeur ne connaît rien du tout, on va faire clear frame relay in ARP et on va aussi faire clear IP route étoile pour être sûr que notre routeur, donc il va faire semblant, pas vraiment semblant, mais on va vraiment effacer la table de correspondance entre adresse IP1 et DLC. Donc sur chaque routeur, clear frame relay in ARP et clear IP route étoile. D'accord, sur le routeur R1, ce sont pas des commande de configuration, c'est pourquoi on n'est pas obligé d'entrer dans le mode de configuration, mais ce sont des commandes qu'on fait directement dans le mode dièse, donc clear frame relay in ARP et clear IP route étoile. Ça va pas effacer les routes statiques. Non, mais ça va effacer toutes les routes qui sont dans la mémoire cache. Donc on va vérifier par show IP route que les routes statiques sont toujours là.
et seulement le routeur va recalculer les routes statiques. Donc les routes sont là. Par contre, si on va faire show frame relais map, et là mon routeur ne connaît rien du tout. Il ne connaît pas comment aller à l'interface, par exemple 192.168.0.2. Plutôt, il ne connaît pas les adresses IP sur chaque PVC du routeur qui est en face. On va faire la même chose sur R2. Clear frame relais in ARP. Clear IP route pour être sûr qu'il n'a pas des routes. Maintenant, on va vérifier sur IP route, les routes sont là. Alors, pourquoi on n'a pas ici la route statique? Peut-être qu'on a oublié d'ajouter la route statique ici. Vérifions encore. Ah non, elle est bon, elle est bien là. D'accord, partons par contre le show frame relais map. Il n'a pas l'adresse IP du WAN distant. Même chose sur R3. Clear frame relais in ARP. Clear IP route étoile. Show frame relais map. Il ne connaît pas l'adresse IP du WAN distant. D'accord. Plutôt, il ne connaît pas la correspondance entre adresse IP du WAN distant et numéro DSI. Maintenant, show IP route. Les routes sont là. D'accord. Donc, pour résumer, maintenant notre routeur, la table de routage, elle est bonne. Et là, la route statique vers chaque site distant. Par contre, mon routeur, il ne connaît pas l'adresse IP du WAN distant, elle appartient à quel PVC. Par exemple, ici, sur R1, au niveau de la table de routage, il connaît que pour aller au réseau 2, il doit acheminer les paquets vers 0.2. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il ne connaît pas ce 0.2. Est-ce qu'il appartient au PVC 16 ou bien au PVC 17? Chose qu'il connaissait avant grâce à l'inverse ARP. Maintenant, il sait, quand je fais show frame relais PVC, c'est vrai qu'il connaît qu'il a deux PVC, mais maintenant il n'a pas de correspondance entre le PVC et l'adresse IP du WAN distant. Donc, dans ce cas, il me dit tester par ping les communications de PC à PC. Est-ce que j'ai toujours une communication de LAN à LAN? Donc, si je vais au niveau de la machine 1, par exemple, je vais essayer de faire ping à la troisième machine, par exemple, ben ça marche pas. Pourquoi? Parce que le routeur R1, quand il a reçu le paquet qui va vers R3, il a la route statique qui lui dit pour aller à R3, il faut passer par 192.168.0.3, mais il ne connaît pas que cette adresse IP est sur le PVC 17. C'est ça l'information qui manque. C'est pourquoi il est incapable d'acheminer le paquet vers R3. Parce qu'il a deux chemins et il n'a pas une information sur la bonne route. On va faire aussi ping sur 2.1 par exemple, le réseau 2. Ça c'est trace route, non, on n'a pas de trace. Donc vous voyez bien que le paquet arrive à la gateway, à la passerelle, qui est le routeur R1, mais après il ne sait pas acheminer le paquet vers R2, parce qu'il ne connaît pas si ce paquet doit être acheminé sur le PVC 16 ou bien sur le PVC 17.
D'accord. Donc, c'est quoi la solution dans ce genre de situation? Là, on a un routeur qui ne sait pas faire le INARP. Ben, dans ce cas, vous devez définir les relations manuellement. Cette relation entre DLCI et adresse IP du WAN distant. Ben, si le routeur ne connaît pas ces informations d'une façon dynamique, dans ce cas, on est obligé de configurer ça manuellement. Et la commande, c'est FrameRelay Map IP. FrameRelay Map IP. Donc, on va au niveau du routeur R1, crafter, interface série 1 sur 0, FrameRelay Map IP. Donc, pour aller au 192.168.0.2, je dois utiliser le DLCI16. Ça ressemble beaucoup à la RENIES. Pour aller au WAN distant, je dois appeler tel numéro. Et maintenant, pour aller au WAN du routeur R3, je dois passer par le DLCI 17. D'accord? On va faire la même chose au niveau des routeurs R2 et R3. Confté, interface CD 1 sur 0, FrameRelay Map IP. Pour aller 192.168.0.1, qui est l'adresse IP du WAN distant par rapport à R2, je passe par le DLCI 16. Et même chose au niveau du routeur R3. Confté, interface CD 1 sur 0, FrameRelay Map IP. Pour aller 192.168.0.1, je passe par le DLCI 16. D'accord? Pas 17. Pourquoi? Parce que l'information ici au niveau R3, c'est que ici le PVC, c'est 16. 17, ça au niveau R1. Je vous rappelle le schéma. 16, 16, 17, c'est seulement au niveau R1. D'accord? Donc, FrameRelay Map IP, pour aller au WAN distant, je passe par le DLCI local. Testez maintenant par ping les communications. Alors maintenant, si je vais faire show FrameRelay Map, alors vous voyez bien qu'on a de nouveau la correspondance entre adresse IP du WAN distant et DLCI, mais que maintenant ceci est défini d'une façon statique, pas dynamique comme tout à l'heure. Je peux aussi vérifier au niveau de routeur R1. Je vais ouvrir les maps. Voilà les informations. Pour aller au 2, je passe par le DLCI 16. Pour aller au 3, je passe par le DLCI 17. Ils sont définis d'une façon statique parce que c'est l'administrateur du routeur qui a défini ça. D'accord, maintenant, les routeurs ont normalement les informations nécessaires pour router les paquets. On va essayer de faire le ping de nouveau, de PC à PC, et voir si ça marche ou non. Donc, on va retourner à la machine 1 et on va faire ping sur, hop, ça marche très bien. Et maintenant, 2.1, oui, ça marche très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Si les routeurs ne supportent pas la fonction inverse ARP, donc le routeur est incapable de faire la correspondance entre DLCI et l'adresse IP du WAN distant, dans ce cas, je dois configurer cette relation d'une façon manuelle. Comment ça? Je dois aller sur l'interface série et taper la commande FrameRelay Map IP, puis l'adresse IP du WAN distant et le DLCI local. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on a comme configuration? Donc, qu'est-ce qu'on doit configurer dans ce genre de scénario? Ben, des choses classiques, les adresses IP sous les interfaces, ça c'est évident. Donc, une adresse IP sous chaque interface. Puis le type de l'encapsulation, ça c'est nouveau, encapsulation FrameRelay, d'accord, c'est pas le PVP.
le type des messages LMI, par exemple ANSI. Bien sûr, ces informations, vous obtenez ces informations à partir de votre fournisseur de services. La route statique, donc chose classique, chose nécessaire. Et bien sûr, si votre routeur ne supporte pas la fonction inverse ARP, donc vous devez ajouter cette commande manuellement, framebrûler map IP, pour aller WAN distant, je dois passer par le DLCI local. D'accord? DLCI local, pas le DLCI distant. Parce que vous allez envoyer le paquet sur un PVC qui est local. Donc le routeur R1 par exemple, il ne connaît pas le DLCI distant. Il connaît seulement le DLCI local. Chose qu'il connaît grâce au message LMI envoyé par le commutateur FreeBrûlé. Ben voilà, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère maintenant que vous avez une bonne idée sur la configuration FreeBrûlé. Mais pour vous dire la vérité, il y a une autre façon de configurer le FreeBrûlé. Chose qu'on va voir, Inch'Allah, dans les prochaines présentations. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir.